Beau bon matin à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver et eh bien pour cette nouvelle semaine du mois de mars, nous sommes lundi 20 mars 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé un joli week-end. J'ai le choix de nourrir le positif en moi ou de nourrir le négatif le plus fort et celui que je nourrirai le plus. Eh bien aujourd'hui j'ai toujours, n'est-ce pas, on continue avec la fleur de vie pour s'épanouir jour après jour, j'ai pigé capacité d'abandon, l'énergie délicate de l'abandon qui me traverse rend également plus doux le monde qui m'entoure. Capacité d'abandon, eh bien, elle vient te montrer qu'il est important pour toi de te rendre compte de l'endroit de ta vie où tes énergies stagnent. Dans quel endroit de ta vie tu n'arrives plus à avancer Est-ce que c'est dans le milieu professionnel Est-ce que c'est sentimental Est-ce que c'est familial Pose-toi cette question. On t'invite à vérifier donc grâce à la fleur de vie à quel moment tu instaures un blocage contre le courant du flot de ta vie. On t'invite à te détendre, à prendre confiance et à te laisser porter par les vagues du flot de ta vie. C'est ainsi que tu te sentiras ainsi immédiatement décontracté. Si tu te bases sur cette belle énergie positive, eh bien, tu pourras alors retrouver une confiance profonde, mais aussi ta capacité d'abandon. Ça laisse à réfléchir, hein, dans quel domaine tu stagnes, que tu fais du surplace, dans quel domaine de ta vie. Toi seul le sais, hein. La fleur de la capacité d'abandon, eh bien, elle t'invite à t'abandonner à la vie, ainsi qu'à ta mission dans la vie. Cela veut dire être flexible, souple, être malléable et s'abandonner. Et tout cela, va signifier l'épanouissement total de ton énergie véritable et surtout de ton courage. Tu as tellement déjà bien avancé dans, dans, dans le voyage de ta vie et ta conscience, elle est prête maintenant à un élargissement. Tu vas t'apprêter à avancer au diapason du flot de ta vie. Et c'est ainsi que tu pourras progresser d'autant plus vite, n'est-ce pas En abandonnant ce qu'il y a à abandonner, ce qui n'y a plus, euh, c'est plus nécessaire que ça doit être là. La fleur du vide te montre que c'est merveilleux de pouvoir se laisser porter en toute confiance par les vagues du flot de la vie. Alors, oser s'abandonner à la beauté de l'être, à la destinée de ta vie, à ton partenaire, à la plénitude de la création, à l'amour à la joie, à tout ce qui est important pour toi dans ta vie. Eh bien, c'est cela le cadeau de cette belle carte, capacité d'abandon. C'est cela. C'est un beau cadeau. Donc aujourd'hui, ne t'accroche plus aux choses qui ne sont plus utiles. Et qui sont inutiles. C'est cette carte qui vient te dire cela. L'énergie délicate de l'abandon qui me traverse rend également plus doux le monde qui m'entoure. Vous voyez ça ça met le doigt hein, sur certains points de, de notre vie sur certaines choses et cet oracle la fleur de vie c'est vraiment pour s'épanouir euh, jour après jour et réfléchir euh, à ce qui a ce qui ne va pas euh, sur quoi on peut s'améliorer ce qu'on doit laisser partir etc etc on termine avec l'oracle des couleurs n'est-ce pas et j'ai pigé la couleur cyan cyan je suis un artisan de la paix je sais que celle-ci commence en moi et je pacifie donc mon monde intérieur et bien voilà une belle phrase je suis un artisan de la paix mais évidemment tout le monde enfin je l'espère du moins hein, je l'espère je vous souhaite une excellente journée et puis, eh bien, on se retrouve demain pour un nouveau message et d'ici là, je vous embrasse, portez-vous bien, à demain.